Saint-Esprit agit qu'on y a. Saint-Esprit agit qu'on y a. Voulez-vous guider moi? Voulez-vous contrôler moi? S'il vous plaît. Saint-Esprit agit que rien. Fais-vous guider. Fais-vous contrôler. Souple, 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 souple. Souple. Saint-Esprit agit comme il y a. Saint-Esprit agit comme il y a. Voulez-vous guider? Voulez-vous contrôler? Souple. Je ne peux pas faire rien sans vous. Oh, je ne peux pas agir sans vous. Non, 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 non. Je ne peux pas faire rien sans vous. Oh, je ne peux pas agir sans vous. Voulez-vous guider, s'il vous plaît. Voulez-vous guider, s'il vous plaît. Voulez-vous guider, s'il vous plaît. Bon Dieu béni, moi salue à la gloire de Dieu, même qui déjà rejoint nous. Donc moi déjà gagné 3h30. Ma peine gagné 3h30, comme on connaît déjà. Rendez-vous, c'est tous les dimanches à partir de 3h30 ou 4h. Donc nous bénis dans le Seigneur encore aujourd'hui, qui bat nous privilèges, qui bat nous opportunités pour nous capables ensemble aujourd'hui. Sœur Napoléon Ivna, salut à la gloire de Dieu. Merci parce que vous êtes là, ensemble avec nous. Donc, rendez-vous, c'est chaque dimanche, 3h30 ou 4h. Donc, moi, j'ai déjà gagné 3h30. Donc, c'est l'heure pour nous capables de commencer avec séance de partage, séance d'enseignement sur l'adoration. Ce sujet ça qui est extrêmement très important. Donc, Sœur Faseline, bon Dieu bénis, Sœur Ivna, bon Dieu bénis, et tout l'autre monde qui a gagné pour rejoindre nous. Donc, nous sommes certains que le Seigneur ne manque pas jeter grâce, ne manque pas jeter une riche bénédiction sur la vie et permettre que ça que nous avons partagé ensemble, nous sommes capables d'arriver à comprendre. Et saisir ça que nous devons saisir comme vérité pour la vie, non, pour permettre que nous soyons capables de grandir dans la présence du Seigneur. Donc, je vous invite à disposer pour que nous soyons capables de prier, mon Dieu, parce que nous n'avons pas fait rien sans le Seigneur. Tout ça n'a fait, nous le fait en bas contrôle, Saint-Esprit. Donc, Maïsso Jacob, bon Dieu béni, bon Dieu béni chaque ami qui a rejoint nous. Donc, leur montée. Si vous avez une chance de partager avec un autre ami, c'est sûr et certain, il va bénéfique et notre bon Dieu capable de continuer à bénir, continuer à glorifier. À nous prier, bon Dieu, ensemble pour nous remettre ces 30 minutes que nous allons passer ensemble. Seigneur, nous te remercions, nous bénissons, nous exaltons, nous bénissons, gloire, louange, honneur, exaltation que vous-même et vous-même seul vous méritez. Merci pour grâce, privilège, opportunité que vous accordez nous aujourd'hui encore
pour nous capables ensemble avec amis, internautes, nous, oh Dieu, pour nous passer tant ça ensemble dans le partage d'un sujet qui est extrêmement important, qui c'est l'adoration. Permettre que je dis encore aux yeux spirituels, nous sommes capables d'ouvrir dans un autre niveau, dans une autre dimension, pour nous comprendre le sujet, ça, comprendre le domaine ça, que vous créez nous pour lui, Seigneur, et pour nous capables d'entrer là-dedans en profondeur, pour nous arriver à adorer aux gens que vous obtenez l'inamène, nous, Seigneur. Bénis chaque ami qui déjà rejoint nous, bénis si là où qui rejoint nous, et bénis si là aussi qui prend le temps de nous en différer. Que nous sommes capables de bénir, parce que tout ça n'a fait, Seigneur, c'est pour ta gloire. C'est comme ça que nous prions dans le précieux nom de Jésus, qui veut qu'il règne au siècle des siècles. Amen. Donc, bon Dieu, bénis-nous une fois encore, moi, ses amis, moi, ses frères, adorateur Bertin d'Orville-Mort. Moi, c'est adorateur Bertin d'Orville-Mort. Et page Facebook, ça, les Bertin d'Orville-Mort, adorateur du roi des rois. Donc, c'est une page Facebook qu'il a pour capable parler nous principalement sous adoration. Donc, dimanche là, moi, t'es dit non que dès que vous parlez de l'adoration, ou exactement, ouais, aussi la louange, parce que adoration avec louange, c'est deux mots que vous pas capable de détacher l'un de l'autre. Donc, bah, c'est que puis devant, on a bien pour nous aborder beaucoup plus dans ce sens-là, mais dimanche là, moi, t'es attiré attention non, sur ça. Donc, page Facebook, ça, là, vous parlez non. De l'adoration, donc dès que nous dit pour parler de l'adoration, nous également ouais la louange. Donc dimanche là, nous sommes sous deuxième tentative de définition avec vocabza qui c'est adoration. Donc je dis là, c'est en troisième tentative de définition. Et nous reprenons pour nous dire pour qui ça nous dit que c'est en tentative. Nous dit c'est en tentative parce que pas gain une définition juste, une définition fixe. Il y a une définition, nous sommes capables de qualifier de une définition fondamentale de l'adoration et la louange. Donc, nous avons dit l'important pour qu'on ait qui ça qui adoration, qui ça qui louange, là, comme on a défini, même si par exemple, une définition qui figée, pour qui ça l'important pour qu'on ait ça, c'est parce que nous tous qui existons, nous tous qui vivons, nous créons pour nous adorer, nous exister pour nous capables d'adorer. Et adoration, c'est un domaine, un sujet qui est beaucoup plus négligé. C'est un sujet qui est très négligé, c'est un sujet qui, comme je suis capable de dire, qui est très ignoré aussi. Donc, si adoration, c'est un sujet qui est aussi important et c'est un sujet qui est aussi ignoré, donc, nous sommes capables de réaliser que c'est le plan de l'ennemi. L'adoration est tellement importante. Frère Dieu, bon Dieu béni, adoration tellement importante, après, Satan, le diable lui-même, lui en quête d'adoration. Satan, lui en quête d'adoration. Donc, si on t'apprend Matthieu chapitre 4, par exemple, côté que Satan lui-même lui en quête d'adoration, songez le Satan t'est venu tenter Jésus, après Jésus t'est venu jeûner, Satan t'est venu tenter, il dit comme ça, ou elle dit à Jésus-Christ, si tu te prosternes, et m'adore. Donc Satan lui-même est en quête d'adoration. Et c'est en quête d'adoration Satan qui fait que bon Dieu arrive précipiter. C'est parce que Satan envie adoration bon Dieu. Satan connaît importance adoration et lui en quête d'adoration, c'est raison ça même qui fait que bon Dieu précipite. Et on voit que même le Jésus-Christ vini Jésus-Christ, que la Bible a qualifié comme le second Adam. Donc, le Jésus-Christ vient, on apprend que Satan a tenté, l'a dit, et m'a baou tout ceci, tout ceci là-bas, etc. Si tu te prosternes, il m'adore. Donc, Satan en quête d'adoration. Parce que Satan même connaît que moi avec vous, nous créons pour nous adorer bon Dieu, puisque Satan lui-même est en quête d'adoration, il fait façon lui-même pour recevoir adoration. Ils font façon aussi pour lui-même pour recevoir adoration. Donc, Satan recevoir adoration par rapport avec ignorance que moi-même avec ou gagné de façon que nous lui adorer bon Dieu. Donc, ça que nous adorons par bon Dieu, certaines fois, il vient revenir à Satan sans même que nous-mêmes nous parlons nous compte.
Donc dimanche, nous sommes là pour nous faire deuxième tentative de définition sur l'adoration. Et jeudi, nous sommes là pour nous faire troisième tentative. Donc dans la deuxième tentative, là, donc dimanche, nous avons parlé de trois mots hébreux. Trois mots hébreux qui permettent que nous définissions adoration. Nous croyons que nous avons noté. Et dimanche, nous avons eu une chance que nous avons noté le premier mot. Premier mot qui c'était Segad. Nous avons eu une chance que le premier mot. Donc trois mots que nous avons noté, c'est Segad, Abad et Chaka. C'est trois mots hébreux ça va noter bay et c'est eux-mêmes que n'a essayé définir dans jour ça pour nous voir le sens de ce mot là qui c'est adoration. Donc en termes de rappel, nous avons défini le mot segad, nous avons bon orthographe là et nous avons défini, nous avons dit segad là il veut dire se courber manifestant une grande crainte et un grand respect. Se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect. Donc, nous t'avons montré que dès que vous parlez de adoration, ouais, c'est la crainte pour Dieu, le respect pour Dieu. Donc, dès que vous dites vous adorez bon Dieu, donc vous exprimez crainte que vous gagnez pour bon Dieu, vous exprimez respect que vous gagnez pour bon Dieu. Donc, bon Dieu lui-même, bon Dieu, respectez-nous. Bon Dieu, respectez-nous. Exemple, ça, on souvent prend. Donc, sous ta, tout ça, bon Dieu a offert nous. Bon Dieu, mettez-vous dans une belle enveloppe. Tout ça, bon Dieu a offert nous, lui mettez-vous dans une belle enveloppe. Donc, dernièrement, je me réfléchi, je me dit comment bon Dieu fait pour mettre de l'eau en dans un cocoyer. Et regardez comment de l'eau dans un cocoyer, comment elle douce. Et bon Dieu, mettez de l'eau en dans un cocoyer pour que le côté lié à lui bien préservé. Li bien protégé. Gloa vient coco et tout net yo bien protégé. Si nous t'apprenons ça seulement comme exemple pour montrer comment bon Dieu lui-même li respecte nous. Bon Dieu respecte nous en tant que petite li, li ramène nous en tant que petite li. Donc adoration selon le premier mot hébreu que nous voyons qui c'est segad, li veut dire que c'est une sorte de respect, une sorte de crainte que pour témoigner à l'endroit de Dieu. Donc, chanter, danser, souhaiter, c'est vrai ou important, mais est-ce que pendant que je chante avec respect pour mon Dieu? Est-ce que pendant que je danse, c'est respect pour mon Dieu qui fait que je danse? Est-ce que pendant que je lève mes mains en l'air, je pousse des cris? Jean-Salmiste dit pousser vers l'éternel des cris de joie. Est-ce que cri m'a poussé dans la présence de Dieu? Est-ce que c'est le respect pour Dieu qui permet que je pousse des cris dans la présence de Dieu? Donc, adoration, d'abord, c'est une question de respect, c'est une question de crainte pour Dieu que adoration lui-même liée. Donc, ça me plaît que nous vraiment saisissons ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est le respect, c'est la crainte pour Dieu, adoration, c'est ça lié, d'abord, selon le premier mot hébreu que nous voyons qui se ségade. Donc, le mot que nous avons aujourd'hui, c'est le mot abad. Abad, c'est le deuxième mot hébreu que nous avons aidé à comprendre le sens de l'adoration, le sens biblique, le sens spirituel de l'adoration. Le mot Abad, c'est A-B-A-D. Abad, c'est A-B-A-D, comme ça se prononce. Abad, c'est un mot hébreu. Donc, c'est le deuxième mot que nous avons aidé à comprendre le sens de l'adoration. Donc, dès que vous parlez de Abad, le deuxième mot hébreu, qui ça veut dire Abad? Abad veut dire travailler, œuvrer ou servir Dieu. Travailler, œuvrer ou servir Dieu. C'est la définition même du mot abad. Travailler, œuvrer ou servir Dieu. Donc, si on a écrit définition abad, deuxième mot hébreu que nous avons dans la tentative de définition à l'adoration. Donc, abad, A-B-A-D, il veut dire œuvrer. Travailler ou servir Dieu. Donc, qui ça le mot abad t'a capable de faire nous penser? Qui ça le mot abad t'a capable de faire nous penser? Le mot abad fait nous penser avec tout ça m'a fait pour bon Dieu. Le fait que moi pour bon Dieu, c'est un acte d'adoration. Je vais reprendre pour vous. Abad fait penser que tout ça m'a fait pour bon Dieu. Le fait que moi appartiens à Dieu, c'est un acte d'adoration. Ça est extrêmement important. Tout ça m'a fait pour bon Dieu,
parce que moi appartenir à Dieu, c'est un acte d'adoration selon le deuxième mot hébreu que nous avons aujourd'hui, qui c'est abad. Donc, en plus le monde qui m'a dit ça très souvent, en plus le monde résumé adoration avec chanter. Mais pour autant, ce n'est pas vraiment chanter, c'est adoration, c'est une expression d'adoration. D'après le mot que j'ai aujourd'hui, qui c'est abad, tout ça m'a fait pour bon Dieu. Parce que c'est pour bon Dieu, parce que m'appartenir à Dieu, c'est un acte d'adoration. Donc, dans l'église locale, côté que vous persévérez, ça que vous faites pour bon Dieu dans l'église là, parce que vous appartient à Dieu, c'est un acte d'adoration que lié. Si vous l'église là c'est balé, vous balé, c'est un acte d'adoration. Si vous l'église là, vous connaissez visiter, vous visiter monde qui malade, c'est un acte d'adoration parce que vous faites, parce que vous appartenir à Dieu. Donc c'est appartenance à Dieu, c'est amour pour bon Dieu qui permet que vous posez une telle action. Donc ça, c'est un acte d'adoration. Donc, je voulais attirer l'attention sur ça, surtout avec des gens qui travaillent avec négligence. Les gens qui travaillent avec négligence, les gens qui travaillent peut-être pour faire plaisir à un leader. Mon cap travail pour faire plaisir à un leader, pour faire plaisir à un groupe de monde quelconque. Donc, c'est extrêmement important pour qu'on ait que ça va faire pour bon Dieu, pour faire le bien. Et c'est leur faire le bien que l'a devenir un acte d'adoration. Je voulais attirer attention non sur ça, dans cette question de travail pour bon Dieu, dans cette question de service qu'on apprend dans le temple Seigneur. Donc, quel que soit ça va faire, peut-être vous avez assez musicien ou un jeu musique pour le Seigneur, ou vous avez assez un moniteur de l'école du dimanche, ou enseigner leçon dominicale tous les dimanches, ou en classe devant, ou vous avez assez président de la jeunesse, ou bien doit être un membre dans un comité de l'église côté qui persévère, ou bien doit être un diacre, ou bien doit être un évangéliste, ou un prédicateur. Donc peu importe, ça va faire pour bon Dieu, c'est faire bien et ceci faire avec tout cœur. Je voulais attirer l'attention sur ça. Donc, motif qui fait ma fête, ça m'a fait pour bon Dieu, plus important que ça me fait pour bon Dieu. Je voulais reprendre pour nous. Motif qui fait ma travail pour bon Dieu est plus considérable pour Dieu que le travail que je fais. Par contre, si vous comprenez ça, monsieur, par contre, si vous voulez saisir, motif qui fait ma travail là est plus important pour bon Dieu, est plus considérable pour Dieu que travail m'a fait. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire, ça m'a fait comme travail là. Il y a une valeur devant bon Dieu, certes. Mais ça que fait travail m'a fait, est beaucoup plus important pour bon Dieu. Par contre, si vous comprenez, je suis un bon Dieu, frère, je ne comprends pas. Ça que fait, ça m'a fait, plus important pour bon Dieu que ça m'a fait. Et ce motif-là aussi qui peut le faire, un acte d'adoration. Ce motif qui fait ma fête, ça m'a fait, qui peut le faire, ça m'a fait, réellement un acte d'adoration. Donc, bien pareil, m'a fait pour bon Dieu, il est capable de représenter quelque chose dans les yeux des hommes. Et pour autant, c'est vrai, on dit m'a fait pour bon Dieu, mais aux yeux de Dieu, ça n'a aucune valeur. Pour qui ça? Parce que il n'y a pas un bon motif. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, prends par exemple, bon, comme moi, je joue musique, bon, prends exemple, mon cap joue musique. Donc, si je joue musique dans ta plan, et puis, ça me gagne comme motif, c'est vrai, je joue toujours musique.
toujours présent, mon yo aime jouer, m'dévoué, etc. pour travail là, vers le nuit, toujours là pour m'ab jouer, jeûne, toujours là pour m'ab jouer, service dominical, moi là m'ab jouer, gain réveil, moi là encore m'ab jouer, donc c'est bien. Donc tout le monde, ça fait tout le monde du bien parce que musicien ça, il est dévoué, il est toujours présent dans l'activité. Mais quand il y a ça qui passe, pendant tout le monde où je travaille là, qui ça me gagne comme motif? Qui motivation qui fait que je travaille ça? Peut-être comme musicien, je dois avoir une motivation. Ça qui fait que je travaille, c'est parce que ça me connaît à payer. Un exemple quelconque. Je connais que je suis à payer. Et puisque je suis à payer, donc ça permet que motiver pour me faire travail là. Ou bien, soit dans l'église là, une demoiselle que je me sens aimée, et je me sens que chaque fois que je viens à l'église là, je suis content où elle m'a joué. Tout le monde, ouais, m'a bien travaillé. Mais motif là, il n'est pas valable, il n'a pas aucune valeur devant Dieu, mon Dieu. Ou du moins, tout le monde a un travail qui s'appelle motif moins, donc c'est pour le pasteur. Car ouais que nous sommes des gens qui sont dévoués pour le pasteur, qui a fait éloge moins. Mais ce n'est pas parce que j'ai l'amour pour mon Dieu que j'ai un travail. Ce n'est pas parce que j'ai un dévouement pour Dieu qui fait mon travail. Donc voilà pourquoi que l'on dit oh, motif là, le plus important pour mon Dieu que travail m'a fait. Ça doit être moi qui fais mon travail pour mon Dieu. Le plus important, il y a plus de valeur dans Dieu, mon Dieu, que travail que m'a fait. Donc, si nous dit que le mot abad, il veut dire travailler, œuvrer ou servir Dieu. Et nous parlons de motif travail là. Motif travail là. Donc, il y a une question que moi-même avec, on t'a supposé poser tête, non? Ça m'a fait pour bon Dieu, je dis, il y a qui motif qui fait ma faire. Peut-être moi-même, je dois choisir ma fond live. Ma fond live sur Facebook. Live, je fais pour Facebook là, sur Facebook là. Il y a un bon bagage dans Dieu, bon Dieu, mais ça motive. Est-ce que c'est pour gagner popularité? Est-ce que c'est pour gagner plus abonnés sur la page Facebook? Moi? Est-ce que c'est ça qui motive moi? Comme de nos jours, tout le monde a gagné pour gagner 1000 abonnés, tout le monde a gagné pour gagner 5000 abonnés, donc c'est comme tu as dit ça, c'est la grande mode. Donc, mon a 10 000 abonnés, etc. C'est une grande fierté. Est-ce que c'est ça qui motive moi qui fait ma fond live Facebook? Si c'est ça qui motive moi qui fait ma fond live Facebook, dans Dieu, bon Dieu, ça ne va pas signifier rien. Dans Dieu, bon Dieu, c'est vrai. Mon capitaine d'aime qui live avec moi, car ouais, ça m'a fait à son bon travail. Mais pourtant, dans Dieu, bon Dieu, ça va gagner valeur devant Dieu, bon Dieu. Est-ce que c'est pour chercher son popularité? Pour mon gars qu'on aime? Pour mon gars remplir le monde sur page Facebook? Est-ce que c'est ça qui m'a fait live là? Ou bien est-ce que c'est pour mon capable d'arriver à saisir enseignement, la parole de Dieu? Pour mon arriver à saisir vrai sens, sa adoration pour que moi-même avec vous, nous mettons tête nous en place pour nous adorer bon Dieu? Est-ce que c'est ça qui motive moi? Donc ça a l'air été à moi-même. Action, c'est vrai qu'elle paraît belle. Action, qu'elle paraît intéressante. Mais qui mobile action? Qui ça mobile? Qui ça pousse sa fête? Est-ce que travail pour faire bon Dieu, c'est parce que bon, puisque bon Dieu sauve qu'on y a, je pas arrêter pour ne pas. Pour ne pas faire rien, je ne vais pas arrêter avec bras croisés. Donc, je vais faire un travail pour Dieu. Pour montrer, bon Dieu, comment je suis reconnaissant par rapport à ça accompli dans la vie par moyen Jésus-Christ.
Et que c'est ça qui poussait ma faible. C'est ça qui permet que ou déterminer est-ce que ça va faire pour bon Dieu, c'est un acte d'adoration. Moi-même avec vous, qui motif qui pousse nous à travailler pour bon Dieu? Et c'est ça que la Bible a dit que ce travail n'a fait pour bon Dieu, il pral gen pour vous sonder dans du feu. Si ça m'a fait pour bon Dieu, c'est pour me faire tête moins paraître. Donc, la temps pour paille. Le paille a passé dans du feu, donc il est brûlé. Je que chaque monde qui a une chance d'attendre des messages, chaque monde qui partage ce mouvement ensemble avec moi, on va essayer de réfléchir. Gen bagay n'a fait pour bon Dieu, qui sa fait n'a fait? Qui sa fait n'a fait? Ça n'a fait, qui sa fait n'a fait? C'est aussi tout le monde qui en course, tout le monde voulait populaire, tout le monde voulait faire exploit, tout le monde voulait faire hit. J'en ai dit. Tout le monde veut faire hit. Est-ce que c'est hit, moi-même, avec quoi chercher pour nous faire? Ou bien est-ce que c'est travail, bon Dieu, tout bon vrai que nous avons fait? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Qui ça fait notre travail? Qui ça travaille, notre fait pour bon Dieu? Qui ça le représente? Peut-être qu'il y a des gens qui t'a travaillé, qui t'a pensé que tu vas lever en l'air. Et tu vas lever en l'air, donc tu as quitté ça. Peut-être qu'il y a des gens qui t'ont fait pour bon Dieu, tu n'as pas le temps pour parler de où. Donc, puisque tu n'as pas parlé de où, c'est ça que tu attends pour juste abandonner le travail. Là. Mais si tu as fait le travail là, parce que bon Dieu sauve, il rachète, donc c'est façon pas. Pour exprimer l'amour. C'est façon pas pour montrer bon Dieu comment moi reconnaissant que yo félicite, que yo pas félicite, que yo parle de moi, que yo pas parle de moi, m'a continué travail. On nous pose cette question. Qui ça fait notre travail pour bon Dieu? Qui ça? Qui ça? Qui ça qui est dans la tête non? Ce qui base notre travail pour le Seigneur. Ça est extrêmement important pour nous poser cette nos questions. Qu'est-ce qu'on a fait pour bon Dieu? Il faut nous commencer par questionner. Pour qui ça? Sinon, on a fait corvée. Travail, on a fait pour bon Dieu. Il n'y a pas aucune valeur dans les yeux, mon Dieu. Il n'a pas recevoir aucune récompense pour ça non plus. Donc, en tant qu'adorateur, le mot abad, il fait nous penser à un serviteur. Adorer Dieu, donc, c'est servir Dieu, c'est être un serviteur. Et si nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit les qualités d'un serviteur. Nous avons dit les qualités qu'un serviteur lui-même lui doit gagner. Alors, les gens disent son serviteur, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, adorer Dieu, en résumé, c'est servir Dieu. Et un serviteur, le mot grec qui traduit serviteur, là, c'est le mot doulos. C'est le mot doulos en grec. Serviteur vient du grec doulos. Et le mot doulos là, il veut dire esclave. Le mot doulos là veut dire esclave. Donc être un adorateur, c'est être un serviteur de Dieu. Ça veut dire être esclave de Dieu.
Ou son adorateur, on va adorer bon Dieu, donc ou son serviteur de Dieu. Donc être un serviteur de Dieu, c'est être esclave de Dieu. Parce que mot serviteur, la même livre en grec, là, qui c'est doulos, qui veut dire esclave. Donc j'espère qu'au fur et à mesure que nous avons avancé, nous avons essayé de comprendre le sens de l'adoration. Au fur et à mesure que nous avons considéré la définition, les mots, nous avons essayé de gagner une compréhension qui est beaucoup plus poussée sur ce qui est l'adoration. Donc je dis à l'entendre le deuxième mot hébreu, ça. Donc nous devons aller beaucoup plus vite, mais nous estimons que aller plus vite n'est pas trop bénéfique. Donc puisque nous avons 30 minutes, nous apprenons le peu de matière, mais nous avons essayé explicite dans ce qu'on a dit, nous avons précis et concis pour que nous soyons capables de saisir l'essentiel. Dis-moi si Dieu veut nous gagner pour nous le mot chaka. Le troisième mot hébreu, chaka, c'est lui-même que nous appelons dimanche si Dieu veut. Donc dimanche, là, nous avons le mot segad, je dis à nous avec moi le mot abad, dimanche si Dieu veut, nous avons le mot chaka, toujours dans la tentative pour nous définir le vocabulaire ça qui c'est adoration. Mais maintenant, on a que faire, moi, on a beaucoup, j'aime recevoir en question. Tout le monde qui suit nous live, tout le monde qui suit nous en différé, beaucoup, j'aime recevoir en question. Donc, est-ce que c'est parce que nous comprenons tout le bagage que nous disons, ou bien nous ne comprenons rien dans ce que nous disons? Parce que jusqu'à cette présente minute, beaucoup, j'aime recevoir en question de la part de quiconque. Donc, c'est pas un mot non qui est le quiconque. Le cap suivant qui est le quiconque. Ok, ça c'est pour rire. Donc, nous ne pouvons recevoir aucune question. Donc, est-ce que c'est parce que vous avez tout compris ou vous n'avez rien compris? Donc, que vous en live avec nous, nous invitez-vous. Si vous avez des questions, pas hésiter, faites-nous pas. Que vous en différé, si vous avez des questions, pas hésiter, faites-nous pas. Donc, moi, j'espère que rendez-vous ça, l'abvenir, habitude pour vous. Donc, tous les dimanches, nous faisons le nécessaire pour nous toujours là, ensemble avec vous, à partir de 3h30 pour arriver à 4h, 30 minutes seulement, pour nous partager en peu de mots quelque chose sur l'adoration. Et c'est sûr et certain, si chaque 30 minutes ça y est, ou là, ou compiler chaque ça nous partager, pendant 30 minutes, ça, c'est sûr et certain, après quelques mois, on va commencer à gagner une autre conception, une autre idée de ça qui est adoration. Donc, pendant tout le mois de juillet, nous sommes là. Donc, je dis, ah, c'est le premier dimanche dans ma août. Donc, nous là, ensemble avec vous. Donc, le Seigneur a une opportunité pour nous là pendant tout le mois d'août. Et tout le mois qui a venu, et plusieurs années encore que nous gagnons pour nous passer, bon, je vais permettre que nous là, ensemble, pour nous continuer à partager ce sujet, ça qui c'est adoration. Donc, merci à vous-même qui êtes présents aujourd'hui. Merci à vous-même qui prenez le temps de nous après, en différé. Et merci à vous-même qui continuez à partager live là avec Zanion. Donc, c'est sûr et certain que ce n'est pas un live que nous espérons avoir un pile monde qui emballe. OK? Donc, ça n'est pas vraiment trop étonnant. Donc, mais nous espérons que chaque grain de monde que bon Dieu permette qui suivent nous, que le Saint-Esprit capable d'aider nous comprendre et aider ça que nous comprenons pour nous aider l'autre à comprendre nous. Ça, c'est extrêmement important. Nous bénissons le Seigneur pour même qui est là et qui continue là ensemble avec nous tous les dimanches, 3h30 pour 4h. Moi, invite pour nous prier bon Dieu ensemble. Que nous remercions pour le moment ça que nous t'est passé. À nous prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons, nous exaltons. Merci pour le temps ça que nous t'est passé ensemble. Merci pour ça que nous t'est appris à partir de ce mot, le mot Abad.
Enfin, nous connaissons tout ça, nous avons fait pour nous de faire le bien, parce que c'est un acte d'adoration. Et permettre que les amis nous soient capables de comprendre et saisir la réalité ça, pour que nous soyons capables de travailler pour vous dans un autre niveau, dans une autre dimension, et surtout avec des motifs qui sont valables, des motifs qui font plaisir. Père, nous remercions pour chaque monde qui était là et pour ça qui prend le temps de nous par la suite. Que grâce soit capable de continuer à couler sur nous, que le Saint-Esprit continue à enseigner nous. C'est prière, nous. Au nom de Jésus. Amen. Donc, merci. Merci à vous-même. Que bon Dieu capable de bénir. Frère Dieu Nord, bon Dieu bénir. Et chaque monde qui était là, bon Dieu bénir. Chaque ami peut-être qui en bas live là, que nous pas peut-être identifié. Donc, que bon Dieu capable de bénir. Merci pour ce côté-là. À dimanche, si Dieu veut, toujours même l'heure là, 3h30 pour 4h. Mon ami, on enseigne là. Que grâce est capable de couvrir ou, et que l'aider au passé en très bonne semaine. Mes amis, mon frère, adorateur, Bertin, d'Orville-Mort. À dimanche si Dieu veut. Ciao.